Coucou tout le monde, je vous retrouve avec les cheveux attachés parce qu'il fait une chaleur. Enfin, je me suis beaucoup bougée là avant de vous prendre. Et au moment où j'ai dit il faut que je tourne la vidéo, j'ai dit j'en peux plus. Je peux plus, tous ces cheveux, ils sont arrivés à une longueur où ça me trempe la nuque en fait. Donc bah, je peux recommencer un peu à les attacher. Donc je vais commencer à reprendre le goût à les attacher, surtout qu'on arrive à une période où il fait beau. Le matin, quand je pars au boulot, c'est un peu fraîche, fraîche, mais par contre, dès que je sors du boulot, j'ai plus mon manteau, hein, j'ai le manteau ou la veste dans les mains, et dans la voiture, il fait super chaud, donc du coup, il va falloir que je commence à prévoir les élastiques avec moi. Bon, je viens vous faire cette petite vidéo en bonus. En fait, je suis habillée pareil qu'hier parce que pour vous, je filme le même jour, voilà, le vendredi, parce que on est en week-end de Pâques chez mes beaux-parents. Donc, je ne vais pas avoir le temps, logistiquement parlant, etc. Et aussi en termes de contenu. Si je vous filme que le samedi et puis que je vous filme que le dimanche, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, je filme le week-end complet que je vous diffuse lundi. Mais donc, du coup, en ce dimanche, j'ai décidé de vous faire une vidéo bonus, entre guillemets, de produits finis. Voilà. Alors, nous sommes en plein milieu du mois. Donc, il y a des choses que j'ai terminées fin février, sans doute, parce que... Enfin, fin mars, enfin au mois de mars, voilà, parce que d'habitude je vous fais des vidéos au début de chaque mois, et là du coup en avril j'ai décidé de ne pas faire ça, donc il y a majoritairement des produits que j'ai terminés en mars, voilà, on va y arriver, et quelques petits trucs que j'ai commencé, enfin que j'ai terminé du coup début avril, parce que le mois d'avril est déjà bien entamé, nous sommes déjà actuellement le 15, voilà, le 15 avril, donc, mais quand je regarde finalement j'ai pas tant de choses que ça, j'ai quand même vachement réduit ma consommation de produits, de choses comme ça. Je pense que j'arrive à bien optimiser le truc et surtout à en prendre une moins grosse quantité. Je ne sais pas, mais bon. Je vais commencer par deux trucs, peut-être pas intéressants pour vous, mais on a terminé deux choses pour bébé. Donc je vous en parle maintenant. C'est le dernier gros bock comme ça de Rivadouce. Il est terminé, on adore cette marque, on adore ce produit, mais par contre c'est un peu cher et surtout maintenant qu'il est grand, il n'a plus la nécessité d'avoir des produits spécifiques. Bébé, il a jamais eu la peau atopique, il a jamais eu la peau ni trop sèche, ni d'eczéma, ni aucune irritation de rien, aucune allergie de rien. Donc c'est vrai que par confort, on a choisi ça parce qu'en fait c'est un gel lavant. En fait c'est un gel doux lavant, donc qui pour le corps cheveux, qui pique pas les yeux, qui voilà, tout va bien. Et le gros must, c'est qu'en fait quand vous le lavez, ça mousse, mais quand il joue après dans son bain, la mousse s'en va. Vous avez beau remuer l'eau du bain, ça ne remousse pas. Donc en fait, ça c'est cool parce que ce qui est chiant, c'est ça, c'est quand vous devez après rincer bébé avant de le sortir. Il a joué 2 minutes dans son bain, il est recouvert de mousse. Il faut le re-rincer. Là au moins, voilà, il peut jouer dans son bain, ça mousse pas et on peut le sortir directement sans qu'il y ait de la mousse de partout dans la baignoire. Et pareil, après vous passez juste un petit coup comme ça dans la baignoire, il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans que la mousse s'en aille. Enfin voilà. Donc ça c'était top. Bon aujourd'hui c'est un peu différent et il s'avère que là on est sur du cadom. Et bien figurez-vous que le cadom c'est pareil. Bon c'est un peu moins cher mais surtout ça sent vachement moins bon. Mais ça lave, ça pique pas les yeux et pareil quand il joue dans son bain au début il y a de la mousse parce qu'au début quand il joue, qu'il s'allonge, il me regarde, il a de la mousse partout sur le visage. Mais vu que maintenant il joue facile 15-20 minutes dans son bain. Et bien, au bout de 20 minutes, bon, l'eau est froide. C'est moi qui l'oblige à sortir parce que l'eau est froide. Mais il n'y a plus de mousse. Voilà, c'est un peu mon déclencheur aussi. Il n'y a plus de mousse, ça veut dire que c'est bon. Il faut sortir. Donc finalement, je m'y retrouve et on est sur du cadom parce que moi, je veux du grand format, voilà, pour lui. Et je veux du format pompe. Donc voilà, je peux m'amuser à aller acheter des trucs et des machins. Et puis, je veux un seul produit pour tout. Parce que c'est un relou, voilà, je ne veux pas lui mettre et un shampoing, et un savon pour le visage, et un truc pour le pubis, et un truc pour les pieds, et un truc, voilà. Il a un produit pour tout, c'est un homme, enfin c'est un garçon, les garçons ça aime bien se simplifier la vie, donc je commence à l'habituer à se simplifier la vie dès maintenant, un produit qui fait tout. Mais ça, ouais, c'est vachement bien, voilà, je ne suis pas mécontente, alors ça nous a coûté un petit peu cher, parce qu'effectivement il a eu beaucoup de produits Rivadouce pendant toute sa petite enfance, mais c'était chouette quand même. C'était chouette. Et deuxième truc qu'on a terminé, c'est un dentifrice. Moi, je ne prends que ça, hein, que le Elmex. Du coup, je le trouve en pharmacie. J'ai pas réussi à trouver, en tout cas à cet âge-là, du 3-6. Parce qu'il en existe après, à partir du 7 ans, que là, je vois en supermarché. Dans mon super-U, il y en a. Par contre, pour les plus petits, il n'y a pas. Donc, du coup, je ne peux l'acheter, en tout cas, par chez moi, que dans la pharmacie, en parapharmacie. Donc, ça coûte un petit peu plus cher qu'un dentifrice lambda. Mais c'est un des rares dentifrices pour enfants. Qui n'est pas à des goûts
chelous comme bonbons, cola, fraises, bananes. Voilà. C'est un dentifrice goût dentifrice, donc c'est-à-dire mentholé. Chose qu'il connaîtra jusqu'à la fin de sa vie, quoique maintenant, comme je disais, il y a des dentifrices maintenant pour adultes qui commencent un peu à changer de goût, hein, on a vu de la noix de coco et trucs comme ça, mais la majorité des dentifrices, ou si un jour ils se retrouvent coincés à la SNCF ou à France, Air France, machin, on lui donnera un dentifrice à la menthe. Donc c'est ce qu'il connaîtra la majorité de sa vie. Donc on l'a habitué dès tout petit à du dentifrice goût menthe, voilà. Donc il en est très content. Et d'ailleurs, des fois, quand il veut quelque chose qui pique un peu plus, il nous demande notre dentifrice à nous. Donc on lui met un petit grain de riz sur sa brosse à dents et là, ça pique. Donc voilà. Mais ça, ouais, je vais rester jusqu'à ses 6 ans, jusqu'à ce que je puisse trouver du coup un dentifrice mentholé de son âge en supermarché. Mais en attendant, eh ben, on restera sur celui-là parce qu'il est top génial. Voilà pour les enfants. Ensuite, j'ai terminé. Alors là, j'ai réussi à regrouper les choses par thème. J'ai des choses pour le corps, des choses pour le visage, pour les cheveux, du maquillage, des choses pour les mains et des compléments alimentaires. Je vais commencer les choses pour le corps. Donc, j'ai terminé ça. J'utilise les mêmes. Enfin, moi, j'alterne à chaque fois que je vais au supermarché, que j'ai besoin de savon. Je prends selon mes envies. Hein. Je suis là, c'est moi qui choisis, c'est moi qui fais les courses. Simon, lui, prend toujours. Je crois que c'est même pas fleur d'oranger qu'il prend. Lui, c'est citron verveine. Voilà. Citron verveine, et moi j'ai déjà pris citron verveine, j'aime beaucoup, mais voilà, j'aime bien changer et varier. J'ai fini un Dove sur un lot de deux, il m'en reste encore un, et là je suis en train d'utiliser, puisqu'il y en avait deux, donc il y en a un que j'ai utilisé, l'autre je suis en train de l'utiliser, la savonnette extra douce de chez le petit Olivier, je vais y arriver, et c'est fleur d'oranger. J'aime bien, l'odeur est pas si extraordinaire que ça. C'est agréable, mais c'est pas vivifiant. C'est voilà, c'est une fleur d'oranger assez douce, mais ça fait le job de se laver. Moi, en général, ça, c'est mon pré-lavage. Quand je rentre dans la douche, en général, je prends le savon, je me lave le visage, les dessous de bras, le pubis, les fesses, les pieds. Voilà, c'est mon pré-lavage. Et après, je me mets le shampoing et le gel douche. Voilà. Mais ça, oui, je rachèterai sans doute, hein, parce que du coup, c'est assez limité quand même avec les odeurs sympas. Voilà, je pioche un peu, donc forcément, je retomberai un jour dessus et j'aurai forcément un jour envie de le racheter. Toujours pour le corps et sous la douche, j'ai terminé un gel douche. Alors moi, les gels douches, j'utilise, on va dire, une fois tous les 3-4 jours des gels douches, parce que la majorité du temps, je me lave avec mon shampoing. Voilà, quand je fais un shampoing, et eh bien du coup, j'en profite pour prendre la mousse de mon shampoing, etc., pour me laver le reste du corps. Vu que j'ai fait un pré-lavage, j'ai pas besoin d'un décapant en fait. Donc, c'est juste pour un peu uniformiser l'odeur de tout mon corps. Donc, voilà. Et on va dire que une fois tous les 3-4 jours, je me décape un peu les cheveux et donc je me lave les cheveux avec le gel douche. Le gel douche. Donc, ce qui fait que ça, une fois tous les 3-4 jours, eh ben, je me lave les cheveux et le corps avec. Donc là, ce coup-ci, c'était de chez Yves Rocher. C'est un vieux truc qui a fait la guerre. Je ne sais pas si ça se vend encore, cette chose-là. C'est ma mère qui m'avait donné ça. Et donc, celui-ci, c'est à la rose fraîche. Ça sent pas mal. Je ne suis vraiment pas une fan de l'odeur de rose. Mais ça, franchement, c'était chouette. Oui, ça sent pas la rose mémé, quoi. Ça sent fleuri. Voilà. Ça sent fleuri. Je dirais même que ça se rapproche un peu de la pivoine. Plus que de la rose, mais bon, ça c'était bien sympa. Je ne rachèterai pas parce que je n'achète pas de gel douche chez Brochet. Mais si ma mère veut me redonner, je prendrai avec plaisir. Toujours pour le corps, mais ce coup-ci pas pour la douche. C'est un déodorant. Hein. J'ai terminé, voilà, tous les mois, vous avez la même chose. Je termine en général un par mois ou tous les 1 mois et demi. Voilà, des fois j'arrive à le faire traîner un petit peu. C'est mon déodorant préféré. C'est un déodorant stick comme ça. Vous avez plein de petits traits. En fait, quand vous tournez, il n'y a vraiment plus rien, mais hop, il y a un petit peu de truc qui sort et hop. Alors moi, en général, j'ai juste besoin de faire, voilà, un clic et il y a assez de matière pour une aisselle. Parce qu'avant, je faisais vraiment un tour complet, donc ça avait beaucoup de matière et j'étalais, j'avais le dessous tout blanc. Et voilà, c'est pas forcément idéal. Et je me suis aperçue qu'au final, je pouvais vachement économiser le produit et que surtout que ça avait une très bonne efficacité. Donc moi, je trouve que ça marche nickel sur moi, sauf pour les trucs extrêmes, voilà, les chaleurs extrêmes et les efforts extrêmes. Ou même si vous portez des matières un peu synthétiques, voilà, vous allez forcément à un moment donné sentir la transpiration. Mais en tout cas, pour moi, ça me convient. Pour mon mode de vie, en tout cas, j'ai une vie plutôt sédentaire, on va dire. Je ne suis pas une grande sportive. Je ne travaille pas dans des milieux où il fait super chaud, où je transpire, etc. Le seul petit hic, c'est qu'effectivement, je porte souvent du synthétique, mais ça me convient parfaitement.
Après, il faut un peu jongler et alterner. Il faut guetter. Charlie Bull m'avait envoyé un message pour me confirmer si c'était bien ça. Elle m'avait en même temps dit que sur Amazon, il y avait une offre spéciale et ça coûtait 3 euros quelque chose. Ça valait vachement le coup. Mais moi, je ne fais pas de stock. En fait, j'en achète toujours un d'avance. C'est-à-dire que quand j'en entame un, j'en achète un pour en avoir un d'avance. Que je ne me retrouve pas en fait comme une con quand il n'y en a plus et qu'il n'y en a plus non plus dans le tiroir. Parce qu'en général, il n'y en a plus quand vous avez fait une aisselle. Et vous tournez, il n'y en a plus. Donc vous vous retrouvez qu'une aisselle faite et pas l'autre, et plus de produits. Donc soit vous vous alternez avec un autre truc, vous mettez un pchit ou un machin que vous avez de côté, donc vous n'avez plus les mêmes odeurs. Ou soit, voilà, il y a une aisselle sans rien, j'en sais rien. Mais donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'ai toujours un d'avance. Donc je ne m'amuse pas à faire. Et c'est vrai que sur Amazon, je ne sais pas s'il y avait des histoires de frais d'envoi ou de choses comme ça. Mais à la limite, voilà, ça coûte. Alors, en fonction d'où est-ce qu'on achète, moi j'ai déjà réussi à le trouver à 4 euros et le plus cher que j'ai trouvé, je crois, c'est 6 euros quelque chose. Donc voilà, en fonction d'où on achète, le prix peut varier. Et moi, je prends, quand je peux, le bleu. Après, si dans le rayon, il n'y a que du violet ou que du rose ou que du vert, bah écoutez, je prends ce qu'il y a. Mais s'il y a le choix, je prends le bleu, c'est mon odeur préférée. Ensuite, je vais continuer pour la douche. J'ai terminé un shampoing. Celui-ci, je l'ai adoré, c'est le Infusion Détox de chez le Petit Marseillais. C'est un shampoing micellaire pour les cheveux et le cuir chevelu. C'est pour les cheveux normaux avec un cuir chevelu regressant vite. Ce qui n'est pas forcément mon cas maintenant, mais voilà, il y a quand même des jours où je me suis un peu trop tripoté les cheveux et j'ai la mèche devant qui peut paraître grasse alors qu'elle ne l'est pas forcément. Infusion de teint et thé vert bio. Ça, j'ai adoré et ça, c'était vraiment cool quand mes cheveux étaient soit trop secs, parce que souvent, voilà, après mon décapage là, avec le gel douche, le lendemain, j'avais les cheveux un peu paillasses. Du coup, je me lavais les cheveux avec ça et mes cheveux redevenaient normaux. Et j'ai un autre shampoing pour cheveux gras aussi. Et ben, ça marchait aussi. Et des fois, j'avais les cheveux trop gras parce que voilà, des fois, je me lavais... je sais pas avec quoi je me lavais les cheveux. Ah si, des fois j'utilise un peu le shampoing solide de Simon. Et ben au bout de voilà d'un certain temps, j'ai les cheveux qui ont tendance à vouloir un petit peu regresser et ça marche nickel. J'ai les cheveux tout doux, etc. après. Donc ça me répare les cheveux aussi bien dans un sens que dans l'autre quand mes cheveux sont trop secs ou quand mes cheveux sont un petit peu. Vous voyez que j'ai eu chaud, je transpire. Là on pourrait croire qu'ils sont sales, mais non. Déjà c'est parce qu'ils sont clairsemés déjà. Et puis parce qu'ils sont plaqués ou voilà, ou ils sont un peu mouillés parce que j'ai chaud ou un truc comme ça, mais ils sont pas sales. Mais moi, c'est psychologique, il faut que je les lave tous les jours. Donc voilà, je rachèterai d'ailleurs, j'avais acheté un lot de deux, donc le deuxième est en train d'être utilisé dans ma salle de bain. Ensuite, on va passer au visage. J'ai terminé un démaquillant. Oui, parce que je recommençais à me maquiller. En fait, depuis que je rebosse, j'avais un petit peu quand même depuis cet hiver, j'avais recommencé un peu à mettre des traits de crayon, des liners, des choses comme ça, à retester un petit peu mon maquillage. Et là, je m'étais mis effectivement en challenge, je crois, depuis le début de l'année, de retester tous mes crayons. D'ailleurs, je vais vous en parler après. Et donc, ce qui fait que tous les jours, j'ai un trait de crayon sur les yeux et j'ai essayé un truc sous la douche de chez Yves Rocher, que ma mère m'avait donné. Une crème démaquillante sous la douche qui ne marche absolument pas. À la limite, qui peut finir un démaquillage, mais si vous y allez en étant maquillée, vous ressortez maquillée. Voilà, ça ne marche absolument pas ce truc-là. Et en plus, ça vous bousille les yeux parce qu'il faut vraiment y aller à mort. Donc moi, des fois, j'ai l'impression de m'enfoncer l'œil dans l'orbite. Et puis, des fois, il y a aussi du produit qui rentre dans les yeux. Enfin, c'est la catastrophe. Donc en général, je me démaquille avant. Et quand j'ai eu quelque chose d'assez chargé, que j'ai mis du noir ou des choses comme ça, et ben je termine en refaisant un petit coup de démaquillage sous la douche, mais je ne fais pas que le démaquillage sous la douche parce que c'est une catastrophe ce truc. Donc du coup j'ai ressorti ça, les démaquillants comme ça biphasés. J'en avais acheté mais alors une quantité mais astronomique, je crois que j'avais peut-être 8 flacons comme ça. Je sais qu'à terme j'aurais fini par les utiliser, sauf que c'était pas possible d'avoir autant de stock. Je sais pas s'il y a des dates ou des choses comme ça, mais par sécurité, quand je suis arrivée ici et que j'ai fait du tri, j'ai vendu des choses et c'est très bien parti. Parce que je me dis, voilà, il me faut un mois et demi, voire deux mois, parce que si j'ai commencé en janvier, ça m'a fait trois mois pour utiliser un truc comme ça, parce que j'en mets pas beaucoup. Moi, c'est sur des cotons réutilisables. Je fais comme ça, j'ai juste un trait de liner et j'ai mes sourcils qui sont faits. Et c'est un trait de crayon, hein, c'est pas un trait de liner feutre ou un truc comme ça. Donc hop, 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 terminé quoi.
J'ai pas besoin d'utiliser 50 000 tonnes. Donc celui-ci, ma foi, était très bien. Moi, je suis pas chiante en fait au niveau des démaquillants biphasés. Avant, mon préféré, c'était celui de chez Yves Rocher. Puis finalement, après, c'était le cils des masques. Voilà. Et puis, bah, vous voyez, là, j'ai le Mixa Expert. Il a très bien fait son job. Je suis sûre que j'aurai. Alors, en ce moment, je crois que je dois avoir un Pierre Rico. Là, que j'ai commencé depuis la fin de semaine. Mais je suis sûre que je prends un Carrefour, un Super U. C'est pareil, quoi. Super U, moins quand même, je pense. Parce que Super U, ils ont toute une gamme bio. Et je suis pas copine avec. Avec le bio, tu voyais, donc j'ai essayé plein de choses en bio et ça me convient pas, donc voilà. Bon, il en reste un petit chouï, il en reste un petit chouï, mais ça c'est des trucs d'accumulation quand c'est en bas, parce que dès que vous faites ça, il n'y a rien qui sort, quoi. Bon voilà, ça c'est un truc que je serais amenée à racheter, ferme pas bien, c'est un truc que je serais amenée à racheter, hein, dans des promos beauté ou des trucs comme ça, sans aucun souci, je prends. Et un autre truc pour parfaire le démaquillage et aussi quand je me faisais des masques et des choses comme ça, parce que oui, j'ai quelques masques, mais je vais vous les montrer que le mois prochain, parce que c'est des choses que j'ai faites là en avril quand j'avais pas mon fils. Et donc, du coup, quand je fais des masques, en général, je piup, je me tamponne, je fais le masque et après, je piup, voilà, dos tonique ou machin. Et donc là, c'est de chez L'Occitane. C'est une eau délicate qui nettoie, qui hydrate et qui tonifie. C'est un truc que ma mère m'avait donné et que j'ai traîné et traîné et traîné. Par chance, ça sent encore très bon. Je n'ai eu aucune réaction, pas de rougeur, pas d'irritation, que dalle. Donc, c'est que c'est un très bon produit, en fait, qui se conserve très bien. Parce que celui-là, ma mère, ça doit faire plus d'un an qu'elle me l'a donné, facile. À mon avis, ouais. Enfin, ça fait une éternité qu'elle me l'a donné. Je suis arrivée ici, je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Et puis, voilà. Donc, je suis une grande fan des toniques, sauf que maintenant que j'ai les cheveux courts, j'ai tendance à moins me mettre de pchipchit parce que, du coup, comme j'ai les cheveux lâchés, ça me pchipchit sur les cheveux et du coup, ça me regresse les cheveux plus vite. Mais là, vu que je vais commencer à me les rattacher, je vais pouvoir recommencer le matin à utiliser du tonique. Ça, c'est cool parce que quand j'ai les cheveux courts, je préfère aller sous la douche. Voilà, quitte à tout mouiller, autant qu'on mouille tout. Voilà. Donc voilà, je ne rachèterai absolument pas parce que c'est hors budget. Voilà pour ce que c'est. Moi, le tonique de la marque Carrefour fait très bien le job. Mais si ma mère veut me le offrir, c'est sans aucun souci, c'est sans aucun problème. Je prendrai. Toujours pour le visage, j'ai terminé une crème désaltérante. Donc c'est une crème visage hydratante que j'avais trouvée en parapharmacie. Je ne sais pas ce que j'ai été foutre dans le rayon de ça, mais je pense que je devais faire la queue à la pharmacie, et parce que j'ai passé ma vie chez le médecin quand même, hein, depuis le début de l'année là, depuis janvier, etc. Et donc du coup, quand j'ai la pharmacie qui avait un peu de monde, vous faites la queue dans les rayons, et j'ai dû tomber dans un rayon où il y avait des crèmes comme ça, et c'était la promo. Je sais que je ne l'ai pas payé cher, je crois que j'ai dû la payer 4 euros, enfin je trouve que c'est pas cher déjà à la base pour une crème hydratante, et là, en plus c'est du Avril, c'est du bio. C'est une crème désaltérante, c'est à l'acide hyaluronique, qui hydrate intensément et durablement la peau. Pour tout type de peau, idéal pour les peaux déshydratées. Certifié bio, ça je m'en fous hein, que ce soit bio. Crème désaltérante Avril vient au secours des peaux qui en manquent d'hydratation. Texture, ah il y a marqué texture gel crème, voilà parce que bon, pour moi quelque chose qui est très hydratant a plus une texture soit vraiment d'une crème très riche et très onctueuse ou soit vraiment d'un gel gorgé d'eau ou même une crème qui est gorgée d'eau, etc. Là, ça faisait plus effectivement un gel crème. Bon, il y a marqué que c'est léger, moi j'ai trouvé que c'était épais et pâteux et que ça me laissait un film blanc sur la face. Donc je n'ai absolument pas aimé cette crème. Elle a été compliquée à utiliser. Au début, je l'avais utilisée le matin et en fait, j'ai vite repris une crème qui me convient mieux le matin, qui laisse pas de film blanc, etc. Et ni de film, une sensation bizarre, etc. Et je l'ai passée le soir. Voilà. Donc pour le soir, ça passait à peu près parce que finalement, c'était peu importe si j'étais un peu plus pâle et peu importe si j'avais comme une sensation d'avoir une couche sur le visage. Voilà, vu que je restais à la maison, c'était pas très grave. Mais je ne rachèterai absolument pas. Et j'ai terminé, alors j'en ai terminé un et l'autre, je ne l'ai pas terminé. Je crois que c'est celle-ci que j'ai terminée. L'huile de rose musquée. Je me surprends moi-même à mettre de l'huile sur mon visage. J'ai passé 35 ans, parce que c'est depuis la naissance de mon fils que ma peau a changé, 35 ans de ma vie à avoir la peau grasse et à mettre des crèmes matifiantes, astringentes, vous voyez, des trucs pour un peu diminuer l'acné, enlever tout ce qui est luisant, gras, etc., mettre des poudres matifiantes et tout. Et maintenant, ma peau est tellement sèche et déshydratée, parce qu'elle est vraiment sèche, parce que je vois que quand je mets de l'huile en 2 minutes, ma peau a tout bu, donc c'est vraiment que ma peau est sèche et déshydratée.
eh bien, je mets de l'huile et je suis étonnée de moi-même. Ça, c'est une huile que j'ai trouvée chez Lidl. Voilà, c'est la marque Sienne. C'est à la rose musquée. Alors, qu'est-ce qu'elle dit qu'elle fait, celle-là? Elle régénère et nourrit la peau et elle est riche en vitamine E. Première pression à froid, vegan, 100% huile naturelle. Est-ce que en fait j'avais acheté ça, pas spécialement pour mettre sur le visage, mais au niveau conseil d'utilisation. Donc là, si c'est en français. Régénère et nourrit la peau, prévient l'apparition de rides et de ridules, aide à protéger contre le vieillissement cutané lié aux rayons du soleil, prévient également l'apparition de vergetures dans les derniers mois de grossesse. Ça ne me concerne pas. Conseil d'utilisation, appliquer 2 à 3 gouttes d'huile 2 fois par jour sur les zones désirées. Voilà. Moi, j'utilisais ça le soir. Parce qu'en fait, j'avais peur que j'aurais pu utiliser le matin, parce que finalement, ma peau l'a très bien vu et ça ne me laissait pas de film gras ou luisant, ou même juste visuel, ni au toucher. C'est à l'envers, ça ne va pas. Mais ce qui m'a fait l'acheter surtout, c'est quand j'ai vu que c'était soin visage, verser quelques gouttes dans la paume de la main et masser le visage du bas vers le haut. Moi, au début, je n'étais pas partie sur le visage, parce que je pensais que ça allait me faire l'huile friture plein le visage. Mais plus pour... soin des cheveux, voilà. Appliquez quelques gouttes d'huile dans vos cheveux, environ 20 minutes avant le shampoing. Bon, je ne l'ai jamais utilisé sur les cheveux, hein, parce que le flacon n'est pas énorme. Donc à partir du moment où ça me faisait du bien au visage, je l'ai gardé pour le visage. Et il y a également soin du corps, faire pénétrer quelques gouttes en massant. J'ai des produits corps, donc pour l'instant, je n'ai pas jugé utile de tester, mais ça c'est top. Si je retrouve chez Lidl au hasard, parce que je ne suis pas très régulière dans mes courses chez Lidl, oui, pourquoi pas racheter. Mais j'aime bien, de temps en temps, il y a des produits comme ça chez Lidl qui viennent ponctuellement. Et quand je tombe dessus, je prends et je suis rarement déçue des produits Lidl. Et en plus, ça sentait très bon parce que rose musquée, c'est pareil. C'est pas une rose mémé, c'était une rose plutôt sympa. Je suis désolée, je sais pas comment mettre mes jambes. Allonger, ça va pas. Plier, ça va pas. Et alors celle-ci, par contre, une fois que celle-ci était terminée, je me suis précipitée là-dessus. Parce que normalement, l'huile d'argan... c'est pareil, une huile qui a des vertus, voilà, très connues, génialissimes, voilà, revitalise et hydrate. Ah là, du coup, on n'a pas le speech. Ah si, revitalise et hydrate la peau intensément, favorise le renouvellement cellulaire, nourrit, lisse et fait briller les cheveux fragilisés et cassants et renforce les ongles. Donc là, ça faisait plein de trucs. C'est toujours pareil, on peut utiliser sur le visage, sur les cheveux et sur le corps. Donc c'était top. Et donc, voilà, toujours pareil, le petit flacon, sauf que là, il est plein. Je l'ai utilisé 2 fois. Ça sentait la mort. Donc je pense que le produit a tourné. Ça sent vraiment pas bon. Donc je pense que le truc a tourné. Franchement, je suis un peu dégoûtée parce que déjà, je m'étais habituée. Là, je pense que je vais vers une saison où j'aurais plus besoin de mettre autant de produits nourrissants sur ma peau. Sinon, je vais finir par avoir la peau grasse. Mais cet hiver, c'était vraiment nécessaire. Et je pense que l'hiver prochain, je retenterai le coup. Mais je prendrai directement un truc à l'huile d'argan ou à l'huile de... jojoba, ça sent pas non plus génial ici, mais c'est argan et l'autre c'est quoi? Il y a argan et il y a... alors, il y en a deux qui sentent super bon et franchement, ça me fait chier de pas avoir pu l'utiliser. Donc oui, ça je guetterai à chaque fois que j'irai faire les courses, s'il y a des produits comme ça, mais ne pas acheter trop à l'avance. Ça, je sais pas quand est-ce que je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter en automne et donc j'ai voulu l'utiliser là à la fin de l'hiver. Et malheureusement, ça avait tourné. Alors, c'est peut-être pas chez moi que ça a tourné, hein, c'est peut-être avant. Mais bon, ça me fait chier. Voilà. Ensuite, j'ai des produits pour les mains. J'ai terminé une crème pour les mains, comme ceci. C'est une crème de chez Parfum Paris, je sais pas. Idée Parfum Paris, crème pour les mains, parfum figue fraîche. C'est ma mère qui m'avait donné ça. J'en ai d'ailleurs un deuxième. Même Lancelot a aimé, parce que ça, c'était à côté de ma table. Enfin, c'était sur ma table de nuit, à côté de mon lit. Et quand de temps en temps, il va avec son père, de temps en temps, ils font sieste, ou ils font chahut sur le lit, ou ils bouquinent, enfin bref. Des fois, ils font des temps sur le lit. Et qui voyait ça, et ben il demandait à en mettre et il était là et il dit ça sent bon, ça sent bon, ça sent méga bon. Alors l'hydratation est pas génialissime, c'est une hydratation on va dire, c'est pas un truc profond et réhydratant, c'est juste voilà, quand vous venez de vous laver les mains, vous mettez ça derrière, c'est sympa, ou alors vraiment le soir un petit peu, voilà, ça pénètre assez rapidement, ça laisse pas de film gras et ça sent très bon, mais alors c'est pas une réparation des mains, voilà, c'est une petite légère hydratation des couches supérieures des mains, mais c'est pas ça qui va vous réparer les mains méga desséchées, etc. Donc ça, moi, je rachèterai pas. Le format est intéressant pour les tables de nuit, voilà. Par contre, pas du tout intéressant pour le sac à main, hein, par exemple.
mais même à côté du bureau, parce que à la limite, celle-ci, vu qu'elle pénètre rapidement, ça aurait pu le faire, hein, qu'elle soit à côté de mon bureau. Voilà, et j'ai terminé une lime à ongles que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent. Alors, je ne sais pas dans lequel j'ai eu celui-là, parce que je sais que chez Spa, donc le calendrier de l'Avent de chez Action Spa, j'en ai eu une comme ça. Et chez Bleu Libellule, j'en ai eu deux. J'en ai eu une argentée et une dorée. Alors, je ne sais plus si l'autre que j'ai eue dans le calendrier Spa, c'était une argentée ou une dorée, mais voilà. Ma foi, ça a très bien fait le job, hein, voilà. Maintenant, elle se retrouve vraiment à ne plus pouvoir limer les endroits où j'ai besoin de limer. Donc, on la jette. C'est une en carton, hein, donc voilà. Mais elle était très bien. Elle était très bien. Après, de faire des limes aussi larges, enfin, pour moi, ça ne sert à rien parce que moi, j'utilise vraiment que les bords et finalement, au milieu, c'est jamais utilisé. Donc, ma foi. J'ai bien aimé. J'irai pas courir pour savoir où c'est que je peux en trouver une. Hein. Une lime à ongles, pour moi, c'est une lime à ongles. Après, celles de chez Action, elles sont quand même pourries. Hein. Une fois, j'ai acheté pour essayer là le lot de, je sais plus, 3 ou 4 limes, qui sont d'ailleurs pareil épaisses. Pour moi, ça ne me sert à rien qu'elles soient larges, on va dire. Mais je préfère qu'elles soient plus longues puis plus fines. Et en fait, c'est vraiment le carton. Vous faites deux fois comme ça et après, ça lime plus rien, quoi. C'est le carton part en lambeaux. Mais ça, ouais, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, j'ai terminé des crayons pour les yeux. Enfin, j'ai terminé. Je jette des crayons pour les yeux. Je suis en train de tester. Enfin, j'ai terminé de tester. Je les ai tous finis d'ailleurs de tester mes crayons. Donc là, je vais pouvoir commencer à voir ce que je vais mettre à tester. Est-ce que je vais me mettre à tester? Ouais, je pense, comme j'ai dit dans mon vlog, je vais tester les fards mono et les pigments libres, etc. Je crois que j'avais tout béné mes fards crème parce qu'ils étaient tous secs. Mais s'il m'en reste, bah, je les retesterai parce que du coup, peut-être qu'en un an supplémentaire, bah, il y en a d'autres qui ont séché, j'en sais rien. Mais je pense que je vais faire ça là. Je vais jusqu'à cet été, je vais tester tous les monos et les pigments, etc. Et je pense que ce sera qu'à partir de la rentrée où je retesterai des palettes. Où je ferai des maquillages un petit peu plus travaillés, complets, où je me referai mes petits dégradés, mes machins. Mais pour l'instant, j'ai un peu la rame et on va vers l'été. Et l'été, en général, voilà, je ne me maquille pas trop. Donc déjà, voilà. On y retourne doucement, donc on y va doucement. Je reste avec mes petits traits de crayon. Donc là, je vais recommencer donc les fards mono et les fards libres, enfin les pigments pressés. Je vais donc vous parler de ça. Ceux-là, je les jette. Pourquoi? Alors, il y en a deux... 4 qui sont de la même gamme, vous savez, c'est les lots de crayons qu'on a, donc enfin made in China là, qu'on trouve. Moi, ceux-là, je les avais pris sur Amazon. Donc là, c'est les coloris qui sont comme ça. Les coloris qui sont plus dans les tons rosés, rouges, orangés, ils sont dans mon truc à lèvres. Ça aussi, faudra. Bon, je pense que ce sera pas pour cet été. Maintenant qu'on a plus les masques, je vais pouvoir retester mes produits à lèvres, mais je pense que ce sera au mois de septembre. Hein. Au mois de septembre, on testera les produits pour les lèvres. Les crayons, les gloss, les jumbo, les rouges à lèvres. Voilà, je me referai un petit test où je verrai du coup si les rouges ont séché, ont tourné ou quoi au caisse. Mais on y va doucement. Et donc, les autres coloris qu'il y avait, je crois que j'ai dû garder le noir dans celui-là, qui devait être encore potable, ou du moins pour la muqueuse, il sera très bien. Mais pour les traits de crayon là, ils arrachent en fait. Ils ont complètement séché et j'ai eu beau faire. Ah, d'ailleurs, on voit, enfin, vous n'allez pas voir grand-chose parce que j'ai pas le focus, mais il a blanchi. Donc il est vraiment sec de chez sec quoi. Donc c'est pas des trucs, je les ai vraiment pas payés cher. Hein. C'est des trucs comme je dis que vous achetez la Made in China. J'aurais très bien pu trouver ça sur AliExpress. Bon, j'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà, c'est pas très grave. Je les ai utilisés quand même un peu, mais voilà. Après ça me permet d'épurer un peu parce que j'ai tellement de crayons. Donc là je pense que je ne vais plus en racheter du tout. J'en ai tellement plein que voilà, je peux largement me maquiller tous les jours avec des crayons sans aucun problème. Et les deux autres, pareil, que je jette parce que trop sec. Un Yves Rocher, comme non, un PB Cosmétique, pardon, bleu marine, métallique. Il était très beau. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Sauf que quand j'applique comme ça, il y a le crayon qui vient, ça me fait des grumeaux comme ça. Donc il est ultra sec aussi. Donc je jette. Et celui-ci, c'était un bis gris. Et celui-ci, c'est pareil, il est tout sec. Donc. Il m'arrache aussi la paupière quand je le mets. Voilà. Et les dernières choses que je voulais vous parler, ce sont des compléments alimentaires. J'ai terminé des compléments alimentaires. Alors, je ne pourrais pas vous dire lequel marche et lequel ne marche pas. En tout cas, au niveau des propriétés, tout ça. Parce que je sais qu'il y a des choses qu'on peut utiliser pour une chose bien précise. Pardon. Mais qui finalement se révèlent efficaces pour autre chose. Par exemple, il y a Bénédicte de Plus Belle de La Vie est Belle, Plus Belle la Vie, La Vie est Belle, qui m'avait conseillé de prendre voilà, du collagène marin parce que pour elle, elle l'avait pris pour quelque chose. Tu vois, vous savez, celui-ci, il y avait marqué équilibre.
Et elle, elle a dit que ça avait fait des miracles sur ses ongles et sur ses cheveux. Donc, du coup, moi j'ai pris, voilà, pour avoir, parce que c'était au moment où mes cheveux, ça n'allait pas, là, juste avant que je les coupe, etc. Là, on va dire que ça a repris quand même du poil de la bête, c'est encore en cours, je vais les recouper après l'été et repartir de plus belle. Et j'essaierai de m'en occuper un peu mieux l'année prochaine en faisant plus de soins, plus de masques, de choses comme ça, de bains d'huile. Mais là, je les ai coupés et puis je les ai laissés vivre. Hein. Parce que celui-ci, le collagène marin, est une protéine la plus abondante dans l'organisme. Elle est notamment présente au niveau de la peau et des articulations. Il y a aussi de l'acide hyaluronique et de la vitamine C là-dedans. Il fallait prendre deux comprimés. Moi, j'ai toujours pris le matin. Ils disent pas trop, mais c'est équilibre. Pour ma foi, par contre, c'est pour 30 jours. Celui-là, j'ai réussi à trouver 30 jours et j'ai passé une commande. C'est pourquoi que j'ai passé une commande? Non, c'est pour le chrome, c'est pour le magnésium, le collagène marin. Je sais plus. Je sais que j'ai passé une commande sur Amazon où j'ai reçu un truc pour 6 mois, quoi. Parce que j'en ai marre à chaque fois de racheter des trucs. Là, maintenant, si je peux essayer de trouver des gros formats pour moins cher, parce que j'ai vraiment des trucs que j'achète en grande surface ou en pharmacie, c'est des trucs pour 20 jours, 30 jours et ça coûte 8 euros. Enfin, c'est des trucs énormes. Ça, je ne me souviens plus combien ça coûte, mais c'est pareil, le collagène marin, c'est pas donné-donné, hein. Donc voilà, ça j'ai bien aimé et je continuerai à en prendre. Et comme je vous ai dit, je sais pas, moi je prends plein de choses en même temps. Le matin, j'ai plein de compléments alimentaires, j'ai du fer, bon j'ai de la vitamine, j'ai de la vitamine donc B, non pas B, j'ai la vitamine D, la vitamine C, j'ai donc du collagène marin, du magnésium marin. Il y a une période où j'avais, alors j'ai du chrome, j'ai une période où j'avais du zinc, enfin j'ai voilà plein de trucs un peu pour les défenses immunitaires, pour enfin tous ces trucs-là. Et finalement, depuis que je prends ça, mon petit cocktail, j'ai mes cheveux mais qui sont en parfaite santé, qui poussent à foison, qui ont un volume, j'ai mes ongles, j'ai l'impression de les limer toutes les semaines. Par chance, ça n'a pas d'impact sur les poils. Parce que je ne suis pas tout le temps en train de m'épiler ou quoi que ce soit, j'ai toujours ma pilosité faible et peu dense, je m'épile tous les 2 mois, donc c'est très très bien comme ça. Mais voilà, de toute façon je ne prends pas de choses type levure de bière et je ne prends pas de choses pareil truc de blé là, je ne prends pas non plus forcapil et tous ces trucs là, je ne prends pas non plus, vous voyez. Donc ça je sais que ça a tendance à faire pousser les cheveux et les ongles, mais ça fait pousser également les poils. Comme je prends pas ça. Alors, un autre truc que j'ai terminé, que là j'avais trouvé en gros volume chez Super U, c'est le magnésium, ce coup-ci, pas le collagène, parce que je me souviens une fois quand elle m'avait marqué, moi j'ai pris du collagène marin, moi j'avais retenu magnésium, et c'est ça que j'avais été acheter. Et ma foi, c'était sympa aussi, ça, hein, le magnésium marin avec de la vitamine B6, je crois que c'est pour le ciboulot, ça, c'est pour la fatigue, le stress, l'énervement, la zénitude. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, à prendre plutôt le matin. Le magnésium marin, obtenu du chouette. Ah voilà, pour le système, alors pour le fonctionnement normal du système nerveux. Voilà. Allié de votre bien-être quotidien. Réduit la fatigue et fonctionnement normal du système nerveux pour la B6 aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour le bien-être du ciboulot. Voilà. Je ne sais pas si ça marche bien ou pas, parce qu'en fait, plein de choses ont bien évolué en fait depuis le début de l'année 2022. Je suis plutôt contente de ma situation, entre guillemets. Ça se passe très bien avec Lancelot, ça se passe, bon, ça s'est toujours très bien passé avec Simon, ça se passe très bien à l'école, ça se passe très bien du côté de mon régime, ça se passe très bien avec la famille, ça se passe très bien bon, au niveau de la météo, ça va, ça se passe très bien au niveau boulot parce que voilà, j'avais réentamé des recherches d'emploi, j'ai réussi à trouver un boulot et ça se passe bien dans mon boulot. Donc voilà, pour le moment. Voilà, l'année 2022 est chouette. Donc, en plus, je prends du magnésium marin, donc tout va encore mieux dans ma tête. Même si vous suivez mes vlogs, c'est pas gagné, pas gagné pour que je sois encore nickel avec moi-même. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, que j'ai terminé, c'est du chrome. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est un placebo, peut-être bien, mais en tout cas, moi, depuis que j'en prends, j'ai quand même vraiment l'impression d'avoir moins envie de bouffer tout ce qui passe. Surtout à la période du mois, une semaine avant d'avoir les règles, la semaine juste avant d'avoir ses règles et les 2-3 premiers jours de règles avant, mais j'avais envie de dévorer tout ce qui passe. C'était vraiment. Le matin, je me levais, j'avais qu'une idée, pain au chocolat, gâteau, voilà, que des cochonneries comme ça. Et surtout que j'étais dans une période très très restrictive et ça a été très très compliqué. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'au mois de janvier et
Ça a été très très dur parce que je m'étais tellement retenue pendant les fêtes de tous les plaisirs, le chocolat, tous les trucs qu'on peut bien manger, les bûches, le bon repas de Noël, etc. Qu'arrivé fin janvier, quand mes règles sont arrivées, bah voilà, il y a eu craquage, etc. C'est pour ça que j'ai demandé après de l'aide pour l'hypnose, etc. Bon, on va pas en venir à tous ces trucs-là. Mais je sais que j'avais vu Hello. Héloïse, je crois qu'elle s'appelle, de Hello, je sais plus quoi. Enfin, c'est une personne qui est au régime aussi et qui fait du sport et puis un rééquilibrage alimentaire et tout le tralala. Et qui disait qu'elle commençait à prendre du chrome et que ça l'aidait dans ses pulsions en fait. Parce qu'on est addict au sucre et surtout, voilà, on est dépendante et on a des pulsions. Moi, je sais que j'ai des pulsions. Toute ma vie, j'ai eu des pulsions de remplissage, de craquage, de trucs comme ça. Et donc, j'ai décidé de commencer. Et vous êtes plusieurs, par contre, à m'avoir dit que ça servait à rien. Peut-être que c'est un placebo, mais écoutez, si je dois avaler un truc en placebo, mais que ça marche, du coup, sur mon régime, eh ben je prends quand même. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai ça. J'en ai un autre en cours. J'arrive à trouver en pharmacie. Bon, en général, c'est aussi pour du 1 mois. Non, là, c'était 2 mois. 60 gélules. Et il disait qu'il fallait en prendre combien par jour? Voilà, une gélule par jour. Donc là, il y avait 2 mois. Donc ça va. Et j'avais pas payé ça très cher. Je crois que j'avais dû payer ça 6 ou 8 €. En tout cas, moins de 10 €, c'est sûr. Et j'avais trouvé ça donc en pharmacie. Et bien voilà, j'ai terminé ma vidéo de produits finis. Donc vous aurez quand même une petite vidéo d'une trentaine de minutes pour vous faire patienter jusqu'à demain, pour continuer à suivre ma vie trépidante. Je déconne, hein, parce que franchement, je vous ai pris le mois où il se passe le moins de choses dans ma vie. Voilà, le mois de décembre, j'avais réussi à compiler un petit peu des petites activités, etc. Le mois de février, avec les vacances, j'ai fait plein de choses avec mon fils. Mais là, au mois d'avril, il se passe pas grand-chose. J'ai décidé de vous filmer tous les jours. Bon, écoutez, comme ça, vous avez la vraie vie, le vrai quotidien. Et donc là, aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure il est 3 h 15. Je ne sais plus ce que j'ai prévu d'autre de faire, mais en tout cas, pour cette vidéo, c'est fait. Comme ça, vous avez le contenu pour dimanche. Je ne vous ai pas laissé à l'abandon. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!